Cette vidéo concerne Plaidoyer Alfort. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Le Plaidoyer Alfort, langue en Alfort, plat en anglais aussi nommé Plaidoyer Kennedy en Virginie occidentale, Plaidoyer de culpabilité Alfort Refuse ou doctrine Alfort Refuse est une forme de plaidoyer de marchandage de culpabilité dans le système judiciaire anglo-saxon qui permet à l'accusé d'accepter de plaider coupable tout en rejetant le chef d'accusation afin de conserver son innocence. Ce faisant, il accepte la peine associée. Par ce plaidoyer, il accepte que l'accusation aurait vraisemblablement persuadé le jury de reconnaître l'accusé coupable sans le moindre doute. Et cette manière de plaider est issue d'un procès de date 1970, Caroline du Nord contre Alfort pour homicide-meurtre au premier degré, où l'accusé Henri Alfort risque la peine capitale si sa culpabilité est reconnue alors qu'il clame son innocence. Il accepte donc de plaider coupable pour un meurtre au second degré afin d'éviter la peine de mort tout en affirmant son innocence. Pour ABC Nouvelle, crime 2003, crime à innovation dans le plaidoyer de culpabilité, le plaidoyer Alfort. Henri Alfort est alors condamné à 30 ans de prison, peine maximale pour un crime de second degré. Henri Alfort fait appel car il considère avoir été forcé de plaider coupable, langue en injuste, plead guilty because he said if indeed he would game content for it. J'ai plaidé coupable uniquement parce qu'il déclarait que si je ne le faisais pas, il me contengazerait pour cela. Mais la Cour suprême de Caroline du Nord affirme qu'il avait volontairement fait cette démarche en sachant les conséquences. Référence catégorie procédure pénale, catégorie loi de droit pénal ou de procédure pénale.